Bonsoir et bienvenue pour un Music Zoker. Je suis sûre que vous avez eu déjà l'impression d'avoir entendu cette voix qui, à la vérité, avait été choisie par Luc Besson pour son film Le Cinquième Élément, où elle incarnait la voix de la diva. Être étrange, venue d'ailleurs, dont ses vocalises subjuguaient absolument tous ceux qui l'écoutaient. Eh bien, cette voix appartient à une jeune soprane albanaise que nous avions eu le plaisir à Music Zoker de vous faire découvrir il y a 6 ans déjà. C'était à l'occasion du premier concours de voix qui portait le nom de Placido Domingo, et elle s'appelle Inva Mula. Inva Mula, 6 ans après, il nous a paru très intéressant devant l'envie de tous les directeurs artistiques internationaux de la voir dans leur distribution. Il nous a paru tout à fait intéressant de parcourir avec elle ces 6 années qui lui ont permis d'aborder un très grand nombre de rôles, puisqu'au-delà d'une musicalité tout à fait délicieuse, elle a un large registre de voix, une très belle couleur de timbre qui lui a permis de chanter Michaela, par exemple, à l'Opéra Bastille, de chanter Gilda dans les redoutables arènes de Vérone avec un public immense, mais aussi de prévoir de faire ses débuts au Metropolitan Opera dans Musette. Bref, elle est, je vous le disais, quelqu'un d'extrêmement attachant, et nous allons l'écouter aujourd'hui en studio, dans notre studio de France 2, dans un programme où elle va interpréter Mozart, Donizetti, Verdi, Massenet, les redoutables vocalises de Rachmaninoff. Elle sera accompagnée par l'orchestre Colonne, dirigé par François-Xavier Bilger. C'est la première fois que nous accueillons François-Xavier Bilger. Il a été chef associé de l'Orchestre des Pays de Loire. Il est actuellement le chef et le directeur artistique de l'Orchestre d'Avignon. Mais c'est un fin musicien, c'est un homme extrêmement généreux. Nous avons beaucoup de plaisir à réunir tous ces artistes pour un Music Zoker qui va commencer avec un rêve de gloire, puisque c'est le rêve de gloire que fait Manon, un rêve qui est très proche de la réalité en ce qui concerne Inva Mula. Je suis arrivée à Paris,
c'était pas facile. J'ai vu que je ne connaissais personne. Alors, j'ai pensé que je dois tout recommencer. Et la première chose que j'ai fait, c'était de trouver un travail fixe, travail pour pouvoir travailler, me concentrer. Et manger. Manger, me loger et chanter normalement. C'est comme ça, on ne peut pas chanter si on a des soucis et des problèmes. Alors, je suis rentrée dans les chœurs. Là, j'ai commencé une autre vie parce que c'est une vie que je ne connaissais pas avant. C'était une vie en collectif. On chantait toujours ensemble et on ne pouvait pas s'exprimer quand je voulais. Les gens dans les chœurs, au début, ils ne me connaissaient pas. Ils pensaient que j'étais une jeune, que j'ai fini l'école et j'ai commencé tout de suite dans les chœurs. En fait, j'avais beaucoup de répertoire. J'ai connu la scène très jeune. J'étais très timide, je parlais très peu français à ce moment-là. J'avais quelques amis et là, j'ai parlé un petit peu pour mes rêves. J'ai participé à un concours très important que c'était Madame à Butterfly à Barcelone. Là, j'ai eu le Grand Prix et je me suis dit peut-être je dois encore attaquer des choses importantes parce que je pense que c'est très important pour les jeunes chanteurs commencer par les concours. Je pense que moi, j'ai choisi comme ça. Peut-être c'était le hasard, peut-être c'était le destin, mais j'ai bien fait. Et ça, je peux le conseiller. Alors, c'était pas que le fait de gagner ce concours que pour moi, c'était très important à changer plein de choses dans ma carrière. Mais aussi, il y a eu une suite. Je me souviens qu'après le concours, il y avait pas mal de propositions chantées qu'avec lui, c'est-à-dire faire des galas, des concerts très importants. Par exemple, moi, j'ai chanté devant 10 000 spectateurs. Je me souviens, c'était pour les Jeux Olympiques de Lillehammer. Oui, l'hiver. Et là, je me suis trouvée devant tout le monde, là, dans les tops, quoi. J'étais une partenaire d'un grand monsieur et je devais absolument bien chanter, être digne. Et je pense que ça m'a fait... J'ai passé des étapes, j'avais pas besoin de monter les petits escaliers, mais tout de suite j'ai pris l'ascenseur, je suis arrivée dans ces concerts-là, et j'étais obligée de me bien présenter. C'est pas que le fait de chanter avec ce grand artiste, mais il était adorable. En même temps que c'est Placido Domingo, qu'on le connaît très bien, c'était un partenaire, un ami, un copain très simple. Que quand je le voyais comme ça, je me disais, mais est-ce que c'est la même personne ou... J'ai toujours rêvé de voir sur la scène Placido Domingo et de chanter avec lui et d'être derrière les coulisses, de discuter avec lui pour le programme. Alors, là, c'était un peu... Maintenant, je me suis habituée parce que je chantais depuis, ça fait 5 ans.
vous voyez, la salle de Bastille, elle était pleine. C'était un gala que tout le monde attendait depuis très longtemps, parce que aussi Domingo, il n'était pas sur la scène de l'opéra depuis très longtemps. Alors, en même temps, j'avais une très grande responsabilité d'être une jeune en duo avec lui. J'étais devant le public, et il y avait plein de choses derrière moi que je ne savais pas si... je ne pouvais pas penser à tout ça. Je pense que c'était très naturel à ce moment-là, c'était très, très sincère, comme je dis. Et pour ça, je suis contente, parce que maintenant, on peut faire des choses plus trafiquées, plus professionnelles, entre guillemets. Mais enfin, quand on voit comme ça des jeunes artistes, parce que maintenant, je vois... Avec la fraîcheur. Je pense que c'est très bien. Quelle est votre note la plus grave? Bien sûr, que descend très bas, parce que c'est dans la première octave, l'octave centrale. J'ai descendu, par exemple, on fait toujours avec le répertoire, ça dépend du répertoire, avec un grand air de Mozart, que c'est Vorrei spiegare Dio Dio, par exemple, je descends jusque là. Ça fait quoi, le là? Voilà. Ah oui, mais j'ai pas l'oreille parfaite. Juste comme ça pour voir. Ça doit être dans les tons comme ça. Et le plus haut, et c'est quoi? Je monte c'est contre mi naturel. Ça fait quoi? Alors, vous voyez, c'est deux octaves et demi plus. Et demi, oui. Voilà. C'est quoi un contre-mi? Vous pouvez me le faire, là, comme ça? Ah non, je n'ai pas fait ma voix. Il faut être bien chauffé pour faire le contre-mi. Je pense qu'il faut être bien chauffé. Moi, je pense que pour chanter Mozart, on est un petit peu... On rentre dans le Mozart et on n'a pas la liberté qu'on peut avoir, par exemple, quand je chante Verdi ou les Belles Cantis, je peux ajouter des cadences, je peux faire des appoggiaturas, des choses un petit peu que je peux sentir différemment. Tandis que dans le Mozart, on rentre là, on doit respecter jusqu'au bout. Sinon, il ne nous pardonne pas. Alors, je pense comme ça, Mozart. Mais c'est vrai que cette expérience avec Vladimir Spivakov, où on a chanté que Mozart et on a fait pas mal de concerts, ce concert, on a fait à Moscou, à Saint-Pétersbourg, on a fait à New York. Ce sont aussi mes débuts que j'ai fait à Lincoln Center cet été à New York, où on a eu beaucoup de succès. On a fait au Festival de Colmar, on a fait à Kiev, on a fait un petit peu, on a couru avec ce répertoire de Mozart. Et c'est là où je me suis vraiment trouvée bien avec ce compositeur. Je n'ai jamais pensé que ma voix peut être vraiment dans le style de Mozart, où je peux chanter ce répertoire. Et je suis très ravie parce que maintenant, ça fait partie de mon répertoire et j'essaie de développer un petit peu. J'ai chanté par exemple le Requiem de Mozart cet été. L'été prochain, je vais faire la messe en ut mineur. Et bon, je chantais pas mal les Noces de Figaro. J'ai fait Suzanne beaucoup de fois. Je ne suis pas très persuadée que je suis une vraie mozartienne. Je suis plutôt attirée par les romantiques. Je suis romantique. Je ne dis pas que Mozart, il n'était pas, parce qu'il y a des choses sublimes dedans. Mais j'aime bien un petit peu la spontanéité et cette liberté pour pouvoir donner un petit peu de moi-même. Thank you.
Thank you.
c'était cet été, le Gilda à Vérone. Moi, je pense que c'est quelque chose d'extraordinaire. Bon, d'abord, il faut dire que c'est très, très difficile de chanter là-bas. D'abord, c'est immense et on ne sait pas comment il faut remplir cet amphithéâtre. Mais c'est tellement beau, c'est tellement romantique. Moi, j'ai chanté la Gilda et j'avais l'impression que j'ai vécu une vraie histoire. Parce que même les gradins sont utilisés comme le décor. Alors, c'est un vrai décor. Alors, au moment que je suis couchée parce que le sparafucillo, il vient me tuer, je regarde le ciel, je regarde la lune, je regarde les étoiles. Il y a le vent qui passe. Et le vent, elle rentre, elle pénètre dans le corps. C'est une vraie histoire. Et là, c'est le plus beau moment que j'ai vécu dans l'histoire des mises en scène des opéras. Je pense que même si c'est difficile, parce qu'une fois il fait froid, une fois il fait 40 degrés, une fois au milieu du spectacle, ça commence à pleuvoir. On fait des répétitions jusqu'à 2 heures du matin, parce que c'est un chantier, Vérone. Ça tourne et chaque soir il y a des représentations différentes. Mais c'est tellement beau et tellement romantique. Et quand on voit le public, c'est un mur des gens. C'est pas parce que c'est comme ça, il y a que on voit les petites bougies, on voit les petits appareils, on voit les yeux des gens, même si c'est loin. Alors, c'était une très belle expérience. Et important aussi. Oh.
5 ans de travail, 5 ans d'expérience et 2 gillas. Qu'est-ce que vous avez remarqué de plus flagrant? La différence entre les deux, c'est la respiration, c'est le diaphragme, c'est le souffle. Ça vient d'ici. Ça vient d'ici. Pour ça que c'est difficile, parce que si je fais avec les muscles de la gorge, elle ne peut jamais tenir. C'est quelque chose de très profond qu'elle vient d'un... Par exemple, si je peux rentrer un petit peu dans la technique de la voix, je peux dire que là où je fais les sons le plus pianissimi, le tension pour lier le son avec le souffle, c'est le plus grand. C'est pas quand on fait un son très grand que... C'est quand on contrôle dans le pianissimi, voilà. Enfin le plus doucement possible. Oui, ça sont des effets que si on peut faire, c'est très bien, mais que sont toujours très délicats et pas forcément la même chose chaque fois, parce que ça dépend de plein de choses. Aussi faire ce sort de choses juste à la fin de l'air, c'est un petit peu périlleux, je pense. Parce qu'on a déjà chanté, c'est la fin. Il faut se concentrer jusqu'à la dernière note et faire ça à la fin de la cadence. C'est un petit peu... c'est une aventure. Mais je le fais. Quand je me sens bien, j'essaie, pourquoi pas. Thank you.
Les femmes, qu'elles se battent jusqu'au bout pour arriver à quelque chose, et même si elles sont sacrifiées, ça me plaît tellement. Mais ça, dans les opéras, pas dans la vie. Pas dans la vie. Oui. Oui. Alors que j'ai eu un énorme plaisir en chantant la Juliette, par exemple. C'est un personnage, je pense, magnifique. C'est une jeune fille qu'elle commence, même musicalement, elle est très simple, elle est très douce, mais elle a une force pour arriver à la fin, et vocalement aussi. C'est, par exemple, si on prend le rôle de Juliette, de chanter la valse de Juliette au premier acte, au début du premier acte, et de chanter l'air de Poignard au troisième, c'est quelque chose de très très différent. Et c'est ça que me plaît le personnage, cette différence pour pouvoir tout dire pendant la soirée. Thank you.
Ces photos-là. Voilà, c'est le dernier personnage que j'ai interprété. C'est la jolie fille de Perthes, de Bizet. T'as ton piano, c'est un nom, Pierre Jourdan. Oui, oui, absolument. Il dirige très bien. Oui, absolument. C'était un très, très beau spectacle. Mais c'était un travail énorme, un travail que je fais justement avec Pierre Jourdan, qui a une très bonne technique de prononciation et dire bien, parler et chanter bien le français. C'était un travail énorme et je pense qu'on a arrivé à quelque chose.
dans le cinquième élément, il y a cette apparition de cette femme qui est considérée comme une déesse, qui est une mutante. En tout cas, ce que l'on sait, c'est le potentiel d'émotion énorme qu'elle dégage à travers sa voix. Il aime l'opéra, Luc Besson? Mais l'idée qu'il a eue pour mettre l'air de Lucia di Lammermoor dans son film, je pense que c'est génial. Parce qu'on n'attend pas. Quand j'ai travaillé pour la première fois avec Luc Besson et Eric Serra, j'ai vu que c'était un très très grand amour pour la musique classique. Parce qu'il a vraiment bien choisi l'air qu'il devait mettre dans son film. Et je pense que c'était un succès énorme. Après ce film, j'ai participé dans les festivals pour la musique de film, les festivals de film. J'étais invitée, j'étais à Beyrouth, au Liban. Et là, il y avait le premier festival de film. Et là, toute la jeunesse était dehors pour prendre les autographes parce qu'ils ont beaucoup aimé le film. Le film, il a eu un énorme succès. Mais ils ont aimé, justement, cette partie de la musique classique. Et je pense que c'est magnifique de trouver, voilà, qu'on s'est bien servi. Même les gens qui n'ont jamais vu l'opéra, jamais essayé de voir quelque chose que ça peut plaire, mais si on n'essaye pas, on ne peut pas savoir. Et de trouver vraiment l'air de Lucia dans le cinquième élément, vraiment magnifique. Pour moi, c'était un énorme plaisir de travailler avec Luc Besson. Et c'est très, très bien. Qu'un air à chanter qu'une seule fois, vous choisiriez quoi? Ah, ça c'est très très difficile. Oui, l'air de Traviata, le premier air, Estrano. Parce qu'elle me porte toujours beaucoup de bonheur et ouais. D'émotion? Oui, d'émotion et beaucoup de souvenirs.
Sempre